Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler de Kylian Mbappé qui est seulement un des meilleurs joueurs du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater. Je compte sur toi frérot, et nous les mecs, on est parti pour parler d'Mbappé au Real. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et l'attaquant du PSG semble avoir décidé de partir. Il devrait l'annoncer à sa direction dans les prochaines heures. Son choix serait fait, il veut rejoindre le Real Madrid. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le PSG, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ. Leonardo fait tout son possible pour prolonger son numéro 7. En effet, le directeur sportif du PSG lui a proposé un contrat qui se rapproche le plus possible de celui de Neymar. D'après les informations de Marca, le champion du monde français aurait même déjà annoncé au PSG qu'il ne comptait pas rempiler. Et alors qu'il voudrait quitter Paris, Mbappé aurait déjà tranché entre un départ cet été ou en 2022. Toujours selon Marca, Kylian Mbappé serait conscient qu'il serait au centre du projet sportif de Carlo Ancelotti en cas de départ vers le Real Madrid. Dans cette optique, le numéro 7 du PSG préférerait signer à la Maison Blanche dès cet été. Reste à savoir si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi accepteront de le laisser filer avant la fin de ce mercato. D'après les informations de la radio Onda Cero, le Real Madrid n'a pas l'intention de se précipiter pour Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol indique que le club merengue attendrait la dernière semaine d'août pour passer à l'action. Un moyen de mettre la pression sur le PSG qui devra prendre une décision déterminante avant la fermeture du marché des transferts. Comme l'explique AS, Kylian Mbappé se verrait bien rejoindre le Real Madrid dès cet été. D'ailleurs, l'attaquant et son entourage s'attendaient à ce que les merengues adoptent une attitude plus active dans ce dossier pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Le clan Mbappé espérait ainsi que le Real Madrid s'active dans ce dossier afin qu'une issue soit trouvée avant la fin du mercato estival. Voici en tout cas pour cette petite vidéo mercato sur le PSG, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Je compte sur toi aussi pour activer la cloche, c'est pour ne rien rater, c'est très important. J'ai envie de te dire à la prochaine, salut!